Allez, partie 7 les gars, on est en train de passer le bitume sur le mur du sous-bassement. Alors regarde, il y a un peu plus de 1m50, donc on le passe à la main, c'est de la pâte, d'accord? Allez, je vais te faire voir comment ça se bouche là, regarde. C'est épais, bon, et voilà, il n'y a plus rien. Et ça se passe en deux couches les gars. Bon allez, on continue, je te fais voir petit à petit comment on fait, c'est parti. Allez, regarde. Alors, le produit, qu'est-ce que c'est? C'est ça, tu vois, Igacol. Ok. Donc, c'est de la pâte, les gars. C'est de la pâte. Regardez. C'est de la pâte. C'est pas de la peinture. Ok, regardez. Hop. C'est de la pâte. Ok. Je répète, c'est de la pâte. Et regarde. Hop. Regarde. Regarde, mais regarde, c'est exceptionnel. Regarde comment ça bouge. Il n'y a plus rien, même si je gratte à fond, il n'y a plus de trou. On dirait du bon map bien épais. Regarde. C'est impressionnant. Tu vois? Et ça, en fait, tu l'appliques avec une truelle, une brosse, une liane, ce que tu veux, quelque chose de lisse, tu vois. En fer. Je pense qu'il y en a qui le font à la spatule aussi peut-être. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est que regarde, tu prends le produit épais, regarde. Et j'en ai pas mis beaucoup là, regarde, je suis ma truelle, je vais gratter. Et regarde, il n'y a plus rien, il n'y a même plus un trou, c'est impressionnant. Ça bouge vraiment bien. Alors après, ils te disent de le faire en deux passes, pourquoi? Parce qu'en fait, quand ça sèche, on l'a vu là-bas. En fait, ça craquelle, tu sais, où c'est que t'as mis de l'épaisseur. Donc, je pense que c'est pour repasser, ben, tu vois, ou même là. Pour repasser là-dessus. Donc, nous, ce qu'on fait, on essaye de passer, tu vois, la truelle comme ça. Hop, de bien racler. Et après, avec le pinceau, boucher les mauvaises aspérités. Mais, aux endroits où c'est craquelé, il va falloir quand même passer les deux couches, c'est obligé. Mais bon. Déjà, regarde, si on avance bien comme ça, déjà, il y a de la longueur, hein, les gars. Il y a 20 mètres à faire. 56 mètres en tout. 56 mètres tout autour du bâtiment. Allez, je te fais voir la suite. Alors, regarde, ce qui est bien, c'est que tu peux l'appliquer en I, d'accord? Tu peux l'appliquer en arc de cercle, d'accord? Regarde, I, arc de cercle, d'accord? Tu peux l'appliquer en double arc de cercle, c'est-à-dire comme ça. En croisé, le top.